Bonjour, nous allons corriger l'exercice. Hein. J'ai reçu un message, un exercice pour réviser la sélection de mots et le couper-coller. Veuillez trouver en pièce jointe un fichier texte avec la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard, mais bouleversé. L'idée est de le remettre dans l'ordre en utilisant le couper-coller. La réussite de cet exercice vous aidera beaucoup dans la compréhension de l'utilisation du clavier, du pointeur et du curseur, du clic gauche. Et droit, télécharger la pièce jointe, modifier-la, renvoyer-le-moi. C'est un message noté difficulté, d'accord? Alors, si vous ne vous souvenez plus de cette fable, trouvez-la ci-dessous, d'accord? D'accord? Oui, d'accord, je vois bien. Yeah. Et, ah voilà, la pièce jointe. La pièce jointe. Alors, pour la télécharger la pièce jointe, ce que je dois faire, c'est ici. Cliquez ici sur télécharger. Hop, un clic. Et le téléchargement, ben voilà, le téléchargement a lieu. Je le vois parce que je suis en train d'utiliser Chrome. Et quand je fais un téléchargement avec Chrome, eh bien, il est visible en bas à gauche de la fenêtre. Donc là, il est téléchargé, je vais l'ouvrir. Voilà, il est ouvert. Ce qui s'est passé, c'est que ici, dans la barre des tâches, eh bien sûr, j'ai l'icône du bloc-notes qui s'est ouvert. Voilà, et ici, j'ai mon message. Là, je peux aller retourner sur le message. Voilà, je peux le retourner là. Maintenant. C'est vrai que c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident d'aller de l'un à l'autre comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est que cette partie-là, je vais la positionner parce que moi je la connais plus forcément par cœur. Donc cette partie-là, je vais la positionner là ici sur la gauche, sur la droite, pardon. Pardon. Hop, je vais recommencer. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais prendre mon texte ici, comme ça, je vais pouvoir retrouver mon texte. Donc, voici là le mot que j'ai. Donc, maître renard. Le premier, c'est maître corbeau sur un arbre perché. Voilà. Donc, je vais le chercher, maître corbeau, maître corbeau. Il est là. Donc, je sélectionne la phrase. D'accord? Clic droit. Pour faire couper, voilà, ça a disparu, et je vais venir le mettre là, je mets, par un clic, grâce à un clic, je mets mon curseur là, et je vais faire coller, voilà, donc ça l'a mis, et là, je vais faire entrer pour, voilà, donc ma première phrase, c'est vrai. Tenez dans son bec un fromage, donc tenez dans son bec un fromage, c'est là, donc je vais le prendre, je le sélectionne, clic droit, couper, je vais venir ici, je place mon curseur grâce à un clic gauche et je fais coller. Et encore une fois, hop, je fais entrer. Éventuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire entrer à chaque fois. Comme ça, j'aurai une ligne de disponible. Tenez. Maître renard par l'odeur léchée, ben c'est bon, là, je n'ai pas. Donc ici mon curseur, ici pour supprimer, je vais faire supprimer, d'accord, la touche supprimer. Lui teinte à peu près ce langage, je vais le chercher, il est là. Hop, j'ai mis un petit coup de roulette. Voilà, je sélectionne, copier. Non, je ne vais pas faire copier, je vais faire couper, pardon, il doit couper. Couper, comme ça il disparaît là. Et puis je vais revenir là, puis je vais faire coller cette fois. Voilà, je fais entrer pour laisser une ligne en dessous. Et bonjour monsieur du corbeau. Voilà, et bonjour du coup, monsieur du corbeau c'est ici, donc je sélectionne. Couper, d'accord, clic droit, coller. Voilà, je fais entrer. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau, ben ça c'est bon, donc je le laisse. Hein. Je bouge un petit peu comme ça. Voilà. Que me semblait beau. D'accord. Sinon, alors, ici, je vais placer mon curseur grâce à un clic.
Je vais faire entrer pour laisser une ligne. Et si sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre... Ah, ben j'ai deux lignes qui suivent là. Donc je vais prendre les deux lignes, carrément, copier, enfin couper plutôt. Hop, et là je vais faire coller. Voilà, genre mon curseur étant ici là, hop, je vais faire entrer pour laisser passer une ligne. Hein? Donc là, hop, je sélectionne la ligne, clic droit, clic gauche sur couper, hop, je reviens positionner mon curseur ici, coller, voilà, entrée pour laisser passer une ligne. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie, donc à ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie, c'est ici, je la sélectionne, je fais clic droit, couper. Je repositionne mon curseur, clic droit, coller. Vous voyez, c'est systématique en fait. Et pour montrer sa plus belle voix, et pour montrer sa plus belle voix, voilà, il est en dernier ici. Donc, clic droit, couper, clic gauche pour placer le curseur, clic droit, coller. Hop, je passe une ligne. Pardon. Sa plus belle voix, 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 voix. Il ouvre un large bec, il ouvre un large bec, elle laisse tomber sa proie. Le connard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, ben, là, les deux phrases se suivent encore. Donc ben, je les prends, hein, je les sélectionne toutes les deux et je fais un coupé. Et là, je vais pouvoir faire un collé. D'accord? Voilà, je vais élargir un petit peu pour avoir toute la phrase. Bon, bon monsieur, apprenez que tout flatteur. Donc, apprenez que tout flatteur, c'est ici. Donc, je vais, hop, je sélectionne. Donc, dessus, je fais un clic droit, je fais couper. D'accord? Et là, je vais faire un coller. Je repositionne encore une fois mon curseur ici. Et je fais un coller. Voilà. Voilà. Ah, ben là, il a fini. Apprenez que tout flatteur. Vie aux dépens, bon ici, vie aux dépens c'est ici, donc je sélectionne, clic droit couper, je repositionne mon curseur, clic droit coller, entrée pour passer une ligne. Cette leçon vaut bien, voilà, cette leçon elle est là, voilà, elle est là. Donc je sélectionne la phrase, clic droit couper. Je positionne mon curseur par un clic gauche, clic droit coller. Voilà. Alors, et ensuite, ben là, je vais faire entrer, mais ce n'est pas nécessaire, donc je vais faire supprimer. Et puis, pour le reste, eh ben, je vais faire, ici, j'ai des lignes, hein, pour supprimer ces lignes qui sont là, j'ai des lignes blanches en fait. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur plusieurs fois sur supprimer pour supprimer les lignes qu'il y avait entre les deux. Voilà. Et si j'ai plein de lignes blanches, je vais faire retour arrière pour supprimer toutes ces lignes blanches. Voilà. Ben voilà mon texte. Fichier enregistré sous. Ici, au besoin, je développe l'arborescence. Je vais peut-être agrandir ça pour une voix un peu plus claire. Je développe l'arborescence de documents. Je clique sur Moreuil débutant parce que c'est là-dessus que je vais aller le mettre. D'accord? Et ici, eh bien, je vais faire. Alors, je vais changer le nom parce que comme il y en a déjà un, hein, je vais rajouter rectifier. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de confusion avec celui-là. Il y en a un ici. Et si je refais ça, il va me dire, tiens, tu veux l'écraser l'autre? Non, je ne veux pas l'écraser. Je vais le garder comme ça pour les exercices. Donc, je vais simplement changer le nom et je vais faire enregistrer. Voilà, c'est prêt, c'est enregistré, donc je peux fermer maintenant. C'est bon, je peux fermer. Voilà, mais là, il ne reste plus qu'à la renvoyer au correcteur par un mail avec une clé jointe. Voilà, bon courage.